je vais vous faire visiter ma maison. Parce que voilà, j'ai une grosse deuxième info, c'est que j'ai supprimé le 101, le 101-101, le terrain franco futuriste que j'avais fait pendant encore un an. On est en plein été, il y a déjà de base en hiver pas beaucoup de visites. J'ai beaucoup investi là-dedans. Je dis pas que c'est totalement terminé, mais moi je préfère à la limite payer pour avoir ma maison entièrement juste pour moi. Et que ce soit profitable pour moi finalement si ça n'intéresse personne. Que moi personnellement je fasse une SIM francophone. Donc actuellement il n'en reste pas beaucoup, peut-être plus du tout, je ne sais pas. Et certaines prennent des vacances. Je ne sais pas si je vais réouvrir en septembre. C'est pas définitif ma décision encore une fois, mais voilà, j'ai investi 2 ans dans le 101 pour pas beaucoup de retours. Et je pense que concrètement, j'ai pas. J'ai investi beaucoup pour des gens qui n'en ont rien à faire en fait. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Quand vous faites un projet et que personne ne vient, qu'on vous dit bah non, tu peux pas forcer les gens à venir, alors qu'on les voit partout ailleurs, ça fait un peu mal au cœur de créer un projet pour des gens qui s'en foutent en fait. C'est mon avis, je le partage, voilà. Donc sur ce, je vais tout de suite changer de pause et puis on va visiter ma nouvelle maison hyper luxueuse que j'ai fait sur Second Life et j'en suis très 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 ravie. Voilà la nouvelle maison. Alors j'adore ma nouvelle maison. En plus, ça fait très très maison de youtubeuse. Chose que j'ai jamais fait sur SL. Pendant des années, j'ai fait des skybox futuristes. Ou alors un grand endroit pour vous, mais un tout petit endroit pour moi. Et j'ai dit, ce coup-ci, non, attends. On va se faire The Maison. Entre guillemets, la youtubeuse parfaite. Voilà. Mais c'est pas mon cas. Et je dirais jamais que je suis parfaite. C'est pas le cas. Mais c'était un peu l'idée. Voilà, c'est bon. Voilà, ici, on est à l'entrée. Et à l'entrée, tout simplement, bah, j'ai mis des photos, des posters de mes photos que je mets régulièrement sur ma chaîne YouTube, comme certains ont peut-être pu voir. Donc ici, c'est un peu un poste d'accueil. J'ai mis un panneau redélivrerie. Il y a un petit chien qui vous accueille. Il est trop mignon. Voilà, c'est lui. Et j'ai mis une radio. Donc cette radio, elle est sympa parce qu'on peut changer la radio. Et puis, il y a une petite tip jar pour les soirs où je ferai des soirées. Mix, alors le terrain sera pas 100% fermé, mais on fera de temps en temps des soirées mix et je vous inviterai personnellement si vous souhaitez vous y rendre, il n'y a pas de souci. Entre-temps, elle sera fermée, voilà, parce que ça reste maintenant une parcelle privée. Bah ici, c'est un petit coin super sympa, on peut boire le café entre amis et j'ai, on va dire, bah voilà, de quoi me ravitailler. J'ai mis des super petits. Siège devant la piscine, plus transat plutôt, des hamacs, voilà, je cherchais le mot. Hop là, donc voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est couleur rose, beige, blanc, tout ce qui est un petit peu pur finalement, et peut-être un peu même féminin. Voilà, alors un petit coin jeu ici, donc il y a des grilles, et voilà, et là il y a une super belle piscine, voilà. J'ai fait une super plage. Bon, super. Peut-être ça manque encore un peu de décoration, mais voilà. Donc là, tout n'est pas terminé, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a encore un cube qui traîne. Mais voilà, concrètement pour ma plage, ça donne ça. Du coup, un DJ pour les soirées. Pardon, j'ai des animèches qui font déjà la fête. Les petits coins DJ pour si jamais je veux, on va dire, mixer, tout simplement. Du make-up sur la petite table de maquillage. C'est mon lit. Là, c'est le post-end. Voilà. Et là, c'est moi quand je me suis fait livrer du marketplace. Voilà. Et voici la petite personnalisation de maison. J'ai jamais personnalisé de maison. Donc voilà. Vous me direz dans les commentaires si vous avez envie que je personnalise un peu plus ma maison. Mais après, je ne veux pas non plus qu'elle soit trop chargée. Donc voilà, donc là on continue la visite. Normalement j'ai la salle de bain. Oh, salle de bain, elle déchire. Donc là le lavabo, hein, tout le monde connaît, toi-même tu sais. Encore un bout de terrasse ici. Voilà. Et là, bon, il y a une dame qui prend sa douche, mais elle est complètement, complètement saoule. Voilà. Donc là on voit encore la mer d'ici. Voilà. Putain, c'est trop joli. De quoi s'asseoir, s'allonger, il y a de la verdure. Hop. Nous voici dans le salon, donc j'ai pas fini la déco. Visiblement, il y a
des lampes laves un peu partout. Alors là, bon, je vous cache pas que j'ai mis ma photo préférée avec mon créateur préféré, un Dixit Neurolab. Voilà. Si j'ai fait mon coin gaming, gaming et puis YouTube surtout. J'étais telle une youtubeuse qui visiblement boit beaucoup d'énergie drink. Voilà, je suis tellement connue que j'ai merci, merci, merci. Bon, c'est une blague. Attendez, je peux. Non, je peux pas changer de lumière. Tiens, voilà, j'ai déjà beaucoup d'accessoires. Donc, si jamais vous voulez les certains objets, n'hésitez pas à me demander. Je vous mettrai les liens dans la description de s'il y a des objets qui vous intéressent. Ici, bah ici j'ai mis une petite décoration. Ça, c'est un objet qu'un ami m'a offert. Une radio. Et il m'a donné beaucoup de lampes là. Donc, je ne sais plus quoi en faire. Voilà, grosse livraison chez Nejma. Elle a beaucoup de bouquins parce que Nejma, attention, elle est blonde, mais elle lit beaucoup. Voilà, beaucoup de lectures. Non, c'est pas vrai. En réel, je lis pas. Hein. Mais sur SL, voilà. Je ressors d'ici. Hop! Il y a les animés qui sont encore à fond, les gamelles. Là-bas, là aussi, c'est un espace où je fais toutes mes photos que certains voient sur Flickr. Voilà, c'est un post-end. Voilà, là-bas, c'est mon jeu préféré. Donc, je joue aux zombies, hein, si vous ne saviez pas. Je sauve la princesse du zombie. Voilà, concrètement. Donc, voilà, c'était la maison de Miss Nejma Kabilars. Voilà, j'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous et on se reparle dans une prochaine vidéo.